Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de tester le goûter matrimonial des cousines et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi. Donc ben voilà, on va partir pour cette petite journée. Je vais aller rejoindre Nathanaël qui lui habite justement à Écossine et on va tester ça pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve pour les aventures de la journée. À bientôt. Je suis enfin arrivée à Écossine après 1 heure de retard à cause des trains comme d'habitude. Donc voilà, je crois que j'ai un peu raté le côté matrimonial. Mais bon, on va rejoindre Nathanaël. À tout de suite. Voilà, on est enfin à Écossigne pour goûter matrimonial, mais j'ai raté le goûter à cause du train. Donc je pourrais peut-être pas me marier. Et ici on est à Mikachouz, un des lieux abandonnés que j'avais visité. Et que vous pouvez retrouver sur Souvenirs désaffectés. Et apparemment il va être détruit encore une fois. Tous les lieux abandonnés que je visite, ils sont détruits après. Voilà. C'est beau. La nature qui reprend ses droits. Ici, j'ai été chercher l'Ultra Amour. C'est la bière qui est vendue au goûter matrimonial. Et je trouve qu'elle est très bonne. Elle a un petit peu le goût de la crique. Donc, si vous avez des bières un petit peu fruitées comme ça, goûtez. Trop mignon, il y a plein de petites banderoles comme ça, Écossine. Quelques applaudissements du public. Merci.
Sauf que je crois qu'il y a un zoom qui doit. Alors voilà, on a fait notre petite photo de mariage à Écosine. Donc voilà. Bon, le défi est plus ou moins relevé, on va dire ça. Attends, on va aller voir l'église de quoi ? Saint-Aldegonde. Saint-Aldegonde. Je vais pas filmer par respect dedans. Le jardin secret. Oui. C'est quoi le jardin secret ? Ah putain, mais voilà, comme ça va bien. Tu veux que je la tienne ? Ouais, peut-être. Parce qu'on voit ma main, c'est pas. Je vais chercher sur Google hein, comment prendre un selfie. Oh, mais ça peut être bien justement avec la main. Avec la perche. Mais par contre, il faut regarder son dos. C'est bucolique. Salut. On passe dans les arbres. C'est plus vertical, hein, peut-être. Ça sera peut-être. Non, ça fait mieux, on passe dans les arbres. Ouh, on voit plus ta tête. On disait que ce serait plus bucolique avec des vaches, et justement, il y a des vaches là-bas. C'est ça le tunnel des amoureux ? Non, on n'y est pas encore. Non, je... Comme au film où tu passes, moi. Ouais. Ça, on voit qu'on est dans les arbres. Oui. Voilà, comme ça, vous vivez le goûter matrimonial avec vous. Faut tester, hein, ça a l'air marrant. D'être marié pour un jour. Et peut-être pour toujours après. Je me prends les branches. J'ai mis du blanc. Ouais. Il faut se marier en blanc, bien entendu. Et j'ai acheté un petit badge d'éco aussi. Du goûter matrimonial. C'est beau. Elle s'éteint oui, toute seule. Non, tu parlais de risque d'éboulement, du coup ça m'a fait rire. Voilà, on est enfin dans le tunnel des amoureux. Coin typique des cousines. Oh ! Je viens de trouver une rose par terre. Artificielle, mais c'est un signe. Un signe de l'amour. Souvenir des cousines, mais là. Voilà, là, là on est vraiment dans un. On est vraiment dans un tunnel maintenant. On ne voit plus. On ne voit plus. L'éternel se plante. Oh, c'est beau. C'est romantique. Oh. Ah bon, tu vois pas, voilà. C'est beau. Le château de la folie. Et le château. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, un peu. Là derrière les arbres, c'est le château là. Je sais pas filmer. Comme je sais pas prendre de selfie non plus. Voilà, ici c'est la partie vraiment tunnel. Ah. Mais vous ne nous verrez plus malheureusement. Ah si, il y a des parties de lumière. Ah. Voilà. Et donc les amoureux venaient s'embrasser ici. On voit juste la perche selfie, c'est marrant. On ne voit pas. Donc voilà quoi, c'est une partie, c'est un tunnel quoi. Je pense hein? Sur les murs. Thank you.
Bah oui. Je deviens une prof. Journée au goûter matrimonial se termine ici pour moi puisque je vais aller reprendre le train. Mais les festivités continuent. Qu'est-ce qu'il y a en fait à Écossine? Toi tu sais, moi je ne suis pas écossinoise. Il y a un concert, il y a un feu d'artifice. Et il y a Mr Cover, non? Oui, Mr Cover est en concert ce soir. Ah voilà. Donc si vous passez par Écossine, vous verrez cette vidéo après. Donc, mais si vous avez été à Écossine, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et maintenant on va aller reprendre le train. Et... direction manège que l'on va voir. À tantôt.